Wesh mes frérots, c'est votre tonton Démonexion, j'espère que vous allez bien mes BG. Aujourd'hui les frères, je vous parle, il est tard, t'as capté, il est 19h49 exactement. Et là ce qu'on va faire tout de suite maintenant les frérots, c'est qu'on va aller chercher Zizou à la gare. Si vous voyez pas Zizou les frérots sur les vidéos, c'est parce que lui, il est à la fac et dans une chambre universitaire et il est loin de nous, c'est pour ça. Je vais aller le chercher et on va aller lui annoncer la vidéo parce que lui il en a aucune idée, Rémi non plus et Nadim non plus. Donc voilà, j'ai gardé la surprise, c'est Zizou qui va être au courant en premier, on va lui annoncer tout ça. Comme toi tu l'as vu déjà dans le titre mon frérot, on va être attaché avec des menottes. Ce que j'ai pensé faire pour l'épisode 1, parce qu'il va y avoir plusieurs épisodes, je sais que vous aimez bien quand il y a des petites séries comme ça, donc on va être deux par deux les frérots. Donc j'en aurai un des trois et puis pareil pour un autre binôme. Pour un épisode 2 les frérots, j'ai pensé à pousser encore plus loin et à faire les 4 attachés. Donc si vous kiffez déjà ce premier épisode, cassez-moi les pouces bleus. À 10 000 abonnés je ferai un épisode 2 où on sera tous les 4 attachés. Et avant d'aller chercher les frérots, je tenais à vous remercier des 200 000 abonnés les frérots. Ça y est, on l'a fait, c'est un truc de ouf, ça me touche énormément les frères. J'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram, sur Discord, sur tous les réseaux. C'est encore un petit palier qu'on passe ensemble, on continue, on s'arrête pas. Et puis on va aller chercher surtout Zizou les frérots qui est en train de nous attendre, c'est parti. Bon les frérots, j'étais sur le point de partir. Et forcément avec Zizou, vu qu'il y a toujours une galère, au lieu d'arriver à la gare qui est à 15 minutes de chez nous à la base, il a loupé le train et il arrive dans une autre gare à 45 minutes les refs. Zizou, quoi qu'il arrive, il y a tout le temps une galère avec lui. Donc ça veut dire là je vais faire 45 minutes de route. Il est 20h22 les frères. Et puis on va aller chercher Zizou du coup. C'est parti hein. Regardez les mecs, cet homme trop frais. Il est bloqué. Papa, 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 papa. Mamacita. Il est en t-shirt les gars, il fait moins 15. Fa la 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 la. Ça y est, il commence. Pour Zizou, allez, allez. Mais pourquoi t'étais à Basic Fit là? Parce que je t'attendais. Mais t'as pas fait de séance? J'ai fait 2 pecs. Tu t'es assis? C'est tout. Déjà pour commencer. Déjà c'est bizarre que tu filmes là maintenant là. Ouais c'est bizarre, c'est bizarre. Non, déjà pour commencer, on a les 200 000 abonnés sur YouTube mec. Là maintenant là? Ouais. 200 000 frérot. 200 000 poteau, 200 000. Tu fais quoi, je me mets tout nu? Non non c'est bon, c'est bon. Ça y est mec, t'es en vacances là? Ouais. Zizou, si je filme là c'est pas pour rien. Il y a une vidéo qui va commencer, elle commence demain à 7h du matin. Dès demain? Ouais, dès demain cash. C'est quoi, c'est 24h non? Non. Regarde ce que j'ai acheté. Tiens, ouvre. Oh là 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 là. Ouvre. Ouvre. Non mais ouvre. Faut que tu vois vraiment l'intérieur. Vas-y, prends-les. C'est pas des fausses. Oui. C'est des vrais. C'est des vrais de vrais frérot. Ça veut dire frère, ce qui va se passer c'est que demain, là en rentrant on va faire un tirage au sort. Okay. Qui va être avec qui? Okay. Parce qu'il y a deux paires là. Il y a deux paires, j'en ai une deuxième à la maison. Donc chacun va être monoté à quelqu'un et passera sa journée avec. C'est bon? Ça tue. C'est bon. Et regarde, le truc c'est que c'est pas des fausses. Ça veut dire t'en as marre, tu peux pas arracher. Ouais. Essaye de tirer fort là. C'est des vrais. C'est pas du plat métal. Voilà, c'est pas du toc. Bref, on va revenir à la maison. Parce que Zizou, vas-y, ça fait 3h, il fait une séance. Donc les frérots, c'est parti. On reprend la voiture, on rentre à la maison et on va faire l'annonce aux autres geeks. C'est bon, c'est carré? C'est parti. Rémi, comment vas-tu, mec? 200 000 abonnés, tu vis comment? T'es une star, mec. 200 000 abonnés, t'es une star, tu sais ça? Vous savez pas du tout, vous, non? Non, je sais pas. Ça va pas du tout, genre. Si je te montre ça. Oh non. Si je te montre ça. On va faire 24 heures accrochées. Genre quand on va faire pipi, l'autre il va pas regarder et voilà. Exactement, sauf genre... que toi tu seras soit avec Zizou, Rémi ou moi. Zizou sera soit avec... Enfin non, bref, on sera deux par deux. On sera deux par deux, c'est bon. Tirage au sort maintenant, ok? Si tu perds les clés, il faut un truc de soudeur pour enlever. C'est des vrais, c'est du fer, c'est pas du plastoc. Pourquoi tu sens tout ce qui... Trois papiers, je les pose dans un truc, je choisis, puis c'est bon, terminé. Moi, je suis obligée d'être avec Rémi parce que celui qui va être moi, moi je vais lever la main en Nadim, je comprends rien ce que tu racontes. Écoute. Non, je pense que le pire c'est Nadim. Il a dit à 9h du mat, il va te demander d'aller faire un foot dehors. Le problème c'est Nadim. Nadim il se réveille toujours à 7h. Mais en fait. Celui qui est avec Nadim il pleure. Clairement. Nadim, c'est vrai, il se réveille tôt. Ouais, Nadim, il revient à 7h. Frère, à 6h30, il est en train de faire la perche sur ton C'est bon, je choisis. Mais tu sais pourquoi je fais cette vidéo? On a 200 000 abonnés. C'est pour qu'on soit ensemble, frère. Ok. 3, 2, 1, je serai avec. Oh non. C'est Rémi, ça. C'est Rémi. C'est avec moi. Attends, non, c'est juste, je suis avec Nadim là. C'est Rémi. Je suis avec Rémi, moi. Tu sais que la journée, je vais à la salle, on va faire du sport et tout. Hein. Bah non, on a pas le droit, je suis mineur. On va faire une séance dehors. Mais il y a qu'une. Et Zizou, du coup, c'est un peu. Écoute-moi, toi, déjà, tu m'as réveillé à 9h, ok? Tu te réveilles pas à 6h. Le premier réveillé, il rejoint directement son pote. Moi, si je me réveille à 8h. Oh non, arrête. Je viens à côté de toi et je mets les minutes. Jusqu'à midi. Et j'attends que je te réveille. Jusqu'à midi ensemble. Tu devrais faire touche, touche. Ça commence à partir de demain. Touche. C'est bon? 6.
Il va se réveiller à 5h du mat. Sur ce les mecs, on se dit à demain. Rémi. Bah non, du coup à midi. On se dit à demain, c'est bon? Ouais. Serre-moi la main. Bisous, à demain. Bon, genre, t'as eu le pire, je pense. Mais gros, mais en fait, regarde, comment il va être debout. Later that night. Il est 9h43, t'es réveillé depuis quelle heure, toi? 7h. Bisous, il est réveillé. On va mettre les premières menottes. Mais Rémi, il est pas... Non. Bon, les frérots, on vient juste de se réveiller. Dis, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu comme ça, là. Mmh. On va mettre les premières menottes ici. Nadim, me donne ta main. Attends, tu préfères quelle main? T'es droitier, non? Juste comme ça, ça suffit, t'as vu? Tu peux les enlever? Ah ouais? Bah, attends, ouais. Non, c'est bon. Ah ouais, attends, serre plus. Là, je peux plus. Voilà. Attends. Je peux plus. Non, tu peux. Non, je peux plus. Je peux plus. Tiens, mais. Tant que je te sers pas trop, c'est toi qui gères. Ouais, je peux plus. C'est bon, c'est carré? Allez, viens là. Ayo. Donc là, ça y est, vous avez toute la journée comme ça, les mecs. Et puis. Tiens. Attends, mais je crois qu'il peut encore, lui. Viens. Non, je peux pas. Ça commence pour vous. De pousser, là. Zou, je vais te donner une caméra. Bah, tiens, tu vas prendre celle-là. Bonne chance. Oui, je peux enlever? On va commencer, on va déjà déjeuner, ok? Vous avez pas encore mangé? Attends, tu peux pas. Si, je peux enlever. Tu peux. Ouais. Si j'enlève mon pouce, c'est parfait, hein. Mais je dois prendre mon café! Moi, faut que je fasse des œufs, là. Et je vais attendre que Rémi se réveille quand même, je vais pas le réveiller comme un fou comme ça. Ouais! Des dangers inattendus menacent tous les habitants de la savane. Je peux le faire, lui. Quoi? Je peux le faire, lui. Mais en vérité, allez. Let's go! Le premier œuf, let's go! On va bien manger, mais moi je vais pas manger parce que j'ai déjà mangé. Attends, me mets haut un peu comme ça là vers moi. Non, mais ça, monte comme ça, je peux le voir. Bah, mange, Nadim. Bah, non, j'ai déjà tout mangé. Ah, t'as déjà tout mangé? Encourage-le à manger. Allez, zou, quoi. Ouais. Tu sais, en plus, allez, zou, mange bien. C'est quoi le plus bon qu'entre le jeune d'œuf, Ou le truc blanc là où on mange. Blanc d'œuf quoi. Aujourd'hui, on va prendre un pâtissier. J'ai fait un sandwich à Zizou. Mmh. Et tu penses quoi? C'est top. Mmh. Alors venez dans Top Chef pour voir. Bon, du coup, les frérots, moi j'en profite. Je vais déjeuner tranquillement en attendant que Rémi se réveille. Je vais déjeuner sans lui, mais du coup, bah lui il va devoir déjeuner avec moi. Donc là pour l'instant, moi je suis tranquille, les frérots, je vais manger au calme. Les deux, ça ils ont déjà commencé. Oh. Bonjour Rémi. Il est 10h48, mec. Rémi. T'as sorti la couette du bled. Je te remercie. Grâce à toi, j'ai pu aller me doucher. Je me suis préparé tranquillement. Il va falloir qu'on commence, hein. Je suis désolé, Rémi. Tu préfères quelle main, droite ou gauche? Bon bah c'est parti les mecs. Le défi commence pour moi et Rémi à 11h. Allez, on dort. Bonne nuit mec. Quand on a fait tout ça, ouais. On va dormir. C'est où? Viens. Dans le barbecue. On va le porter et on va le mettre au soleil ici. Comme ça il va plus vite sécher, on pourra y aller. Ok, le trampoline c'est bon, il est au soleil. Non, comme ça il va sécher plus vite. Ouais, tu veux faire... Mais non, mais comment c'est une cabane? Pourquoi t'as mis une patate au lit? J'ai deux endroits de cabane. Ok, c'est toi. Là-bas, t'enlèves les petites branches là. Et voilà. Tu choisis, tu veux en faire là ou je te montrer le deuxième endroit? C'est quoi le meilleur? Bah le deuxième endroit. On se réveille mec. Shifumi, si tu gagnes on reste 30 minutes. Vas-y. Si tu gagnes ou pas. Shifumi. J'ai gagné 30 minutes. Let's go. Regarde, faut que tu grimpes là, tu te mets là, tu grimpes là. Attends, quoi? Oh, regarde, là-bas, mais c'est là, le cabane. Mais tu passes où, là? Là. Et après? Bah, attends, après moi. Et après où? Après, tu non, vas où? Si tu veux, il a une petite marche stylée. Mais attends, déjà, dis-moi, attends, regarde, stop, regarde-moi. Pourquoi on fait une cabane? Pour s'amuser. Mais combien tu vas faire de mètres carrés, là? 50 mètres carrés? Non, je rigole, 10. Le plafond, 15, les murs, 2. 2 mètres carrés. Et diamètre, combien? Attends. 5. Mais toi, depuis quand t'es chaud dans l'architecture et tout, là, dans la construction? Je suis chaud, hein? Je savais pas que t'étais fort. Là, j'ai construit tout seul, hein. Tu fais ça en CE1? Ça, tout ça, là? Ouais, je construis ça tout seul, hein. Ah ouais? Ouais. Et ça fait combien de mètres carrés, ça? 55. Ah ouais, pas mal. Tu te baisses? Ouais. Vas-y, viens! T'es mal! Mais moi, j'ai pas ma sens. Mais si, tu peux!
Non, je peux pas, moi, faut que je passe par-dessus. Bah, passe par-dessus. Mais je. Voilà. Attends. Non, pas, hein, si tu tombes, tu m'arraches le bras alors. Là, tu l'as pris dans les fesses. Voilà. Du coup, faut que je passe par-dessus. En fait, le truc, faut vraiment que tu tiens beaucoup de branches. Voilà, GG. Tu te remets debout. Ah ouais. Alors, bah, je peux pas. Tu te mets à ma terre. Ah, mais t'es grand, non. Ouais. Et tu viens tout le temps ici, toi. Ouais. Pour faire quoi? Pour lui. Voilà ma cabane. Wow. T'as une poubelle dans ta cabane. T'as mis combien d'années pour la faire? 55. 55 années? Non, 55 jours. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, pour faire quoi? Pour regarder le ciel. Tu fais le ciel, tu veux le regarder de là. Mais ça, je peux même m'asseoir là. Mais ça sert à quoi? Pour regarder le ciel en même temps. Tu sais, dans ma cabane, il y a combien d'araignées? Non. Zéro. Comment tu sais? Bah, parce que je les ai enlevées. Ouais, il avait une miga, j'ai pris par ma main et je l'ai enlevée là-bas. Mais c'est pas possible. Si, bah si, les migas, ils sont gentils. Un peu. Allez, viens. Il y a presque plus d'eau, hein. Viens, faut attendre encore au moins 3 jours. Bah oui, 3 jours. Tu vois, on y va dans ma cabane que j'ai fait. Là, t'as une troisième cabane. Ouais. Mais ça, c'est pas chez nous, ça. Si, c'est chez nous. Non, c'est pas trop chez nous là-bas. Ça fait 16 minutes. Oui, mais envoie la main vers moi, comme ça je peux te changer de sens un peu. Là, ça fait 15 minutes, je suis dans le même sens. Et 13-15 minutes dans le même sens. Je dois mettre comme ça. T'es regardable. Je dois faire des passes avec un ballon. Comment ça, des passes? Tu sais qu'on est collé là. Non, on va faire un basket, c'est bien. Touk, 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 touk. 200 000 abonnés, poto. 200 000, 200 000. Et 200 000, allez, allez. Ouais, pour Rémi, allez, allez. On va courir traction. Là, il est 19, il te reste encore 10 minutes. Tu sais qu'on va courir vraiment. De toute façon, gros, ça va être la règle du plus fort avec nous. Hein. Ouais, entre nous, il n'y a pas de discussion. C'est celui qui dit aïe, 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 arrête, qui gagne. Ah, arrête là. Ah! Aïe, aïe, aïe! Non, James! On est parti faire une cabane. Elle a bien avancé la cabane? Ah, ouais, de fou. C'est moi qui a pas stouffé. Là, faut que j'avance pour le voir, moi. En plus, on fait du marketing. T'aimes bien, toi, le marketing? Déjà, je ne peux pas brosser les dents à cause de ta cabane. Non! J'ai cherché ma brosse à dents. Va la chercher. Va bien. Tu vas aller la chercher? Non. Vas-y, va la chercher. Non! J'ai envie d'y aller aux toilettes. Ah! Putain, mais tout. Toujours. Non, mais tu reviens jusqu'à soir. Non, allez. T'arrêtes de tricher? Bon, les mecs. Vous allez faire quoi après? On attend que le trampoline sèche. On va jouer à l'ordi après. Ouais. Trampoline sèche? On va jouer à l'ordi. Et après quoi de prévu? C'est quoi le programme là? Vas-y du coup. On va se faire des petites parties sur la Switch. Non, ça j'ai pas envie. Rémi va changer là, puis après on va aller courir. Et après on va jouer à l'ordi. On va aller faire des tractions derrière le stade. Hé, hey, fermez la porte! Please, ferme la porte, please. Ah, non mais rapproche. Allez, tu es là? Ah! Vas-y, frère, tu prends ta douche ce soir, hein, frère. Qu'est-ce que tu fais? Bon, les gars, préparation de la coiffure de Rémi, prenez des notes. Là, c'est la routine Rémi. Routine finie! Ça y est! Routine finie! Pas de brossage de dents fini, allez hop, ballon rond, c'est parti! Alors, besoin d'aide pour le marketing là? Faut voir? C'est quand tu fais de la pub et tout? Ouais! T'as déjà fait toi? Ouais! Attends. Ferme la porte, ok. Ferme la porte. Ça chien là. Non, dans mon sac. Ah ouais, non, non. Ouais. Comment ça, tant que tu frises dans le sac à dos? Mais non. Ferme la porte. Et puis tu d'habitude, elle est dans mon sac, mais là, elle est là. Il est dans du frise, mais j'aime pas leur goût. Attends. Il m'attendait là. Ok, je ferme la porte mec, c'est bon. Il m'attendait comme un contrôleur. Je sais pas pourquoi il y a un carrefour chez nous. Mais gros, mais pourquoi t'ouvres un nouveau dentifrice? Je sais pas, mais parce que... T'en as rien dans ton sac? Non, il y en a plus. Oh, arrêtez de vous battre les deux là. Je vous ai vu. Attends. Oh, il est stylé. Oh. Attends, mais du coup, il faut le bout blanc, du coup. Mais non, il y a un côté blanc et un côté bleu. Ouais. Mais arrête, gros, tu crois que c'est un taco? C'est pas tombé, s'il te plaît.
Tu viens de mettre 3 balles là sur ta brosse à dents. Tu brosses les dents, tu es une sieste. Vas-y frère, c'est bon. Ah, c'est 3 minutes là, ça fait 15. Je vais pas te. Attends, attends, je vais pas te changer parce que c'est pas compliqué. Moi, attends, on va manger là. Tu brosses les dents avant de manger? Bah, des fois quand j'oublie, je fais ça. Non, ferme la porte. Let's go. La menotte plus belle, vas-y, vas-y. Tu vas les stylé. Tu peux te changer? Si, si. Attends, tiens-moi ça. La menotte, elle est là. Ton suite, tu vas passer où? Mais non, on peut pas. Je suis en train de chercher pour le comportement du consommateur. Tu sais, les trottinettes électriques, les overboards et tout. J'ai trop envie d'avoir une trottinette électrique. Ouais, mais c'est pas la question. Ouais. Tu sais, il y a des consommateurs. Ouais. Tu sais ce que c'est? Non. Tu sais, ceux qu'ils achètent. Ouais. Bah. Ce qu'ils achètent, ils perdent l'argent pour rien. Non, ouais, 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 t'es fort. Plutôt d'économiser des trucs, ouais, plutôt d'acheter ouais. N'importe quoi. Quand vous avez plein d'argent, achetez des choses, un peu n'importe quoi, mais quand vous avez rien du tout, achetez que de la bouffe. Pas que n'importe quoi, sinon vous allez prendre n'importe... Sinon vous allez avoir plus d'argent. Ouais. Tu fais comment pour l'enlever en vrai? On ferme les... On éteint les clés et on remet après. Non, on va pas enlever la menotte, c'est dans le défi, frère. Voilà. Attends, laisse-moi réfléchir. Vas-y, réfléchis. Il a mis la main sur la hanche. C'est-à-dire la réflexion elle est en place. Ah non je sais, regarde, follow me, follow me. Ta main va devoir rentrer dans mon ventre. Est-ce qu'on peut remettre un truc sale? Oui, ça oui, tu vas aller faire des tractions tant que ce livre. Oui, oui. Mais c'est moi qui l'a là. Comment c'est possible? Mais non, regarde, oh, au pire, je le garde comme ça et t'en mets le nouveau. Je pensais qu'on pouvait retirer un pull avec des menottes. Moi, je suis sûr qu'on peut, c'est juste que, vas-y, on a pas de cerveau. Qu'est-ce qui influence leur achat pour acheter, genre, une trottinette électrique? Il faut... Ils ont plus d'argent que la trottinette électrique. Genre, si t'as 100 000 dollars, ouais. Une trottinette qui coûte 1 million de dollars, c'est quoi le moins? C'est 100 000 dollars. C'est-à-dire que ouais. Tu pourras pas. Mais si t'économises et t'achètes pas n'importe quoi et t'as 100 000 dollars, bah tu peux acheter ça. Ah, bah moi c'est pas ça que je veux. On a essayé un truc, venez voir, on a besoin de votre avis. Rémi a essayé d'enlever son sweat, mais on a pas réussi, je me suis retrouvé avec son sweat. Est-ce qu'il y a une technique pour enlever? Pour toi, est-ce que c'est possible? Pas, hein. Si, il y a une technique. C'est quoi? T'enlèves ton bras par là et après tu l'enlèves. T'enlèves ton bras? Ouais. J'ai de la chance, moi j'ai réussi avec maman enlever les habits. Toi, t'avais pas de menottes, t'as triché déjà, toi. Bah ouais. Attends, bah j'ai triché alors on reste un peu plus longtemps que vous. Exactement, Zizou. Faut quand vous allez finir, il y a encore une heure pour nous ouais, parce que. Deux heures, ouais. T'es bête ou quoi? Mais non, parce que j'ai triché. Bah c'est bon là. Allez. Mais par contre ferme la porte. Ok, ok. Attends, attends. Mais toi je veux venir, grosse craque. Je t'en mangeais déjà. Maman. On est d'accord, ça sert à rien qu'il mange là. Bah oui. Bah oui, il mange à cette heure-là. Hein. On va faire la séance, tu reviens et tu manges le midi. Avant de partir, Rémi, j'ai une question à poser à tout le monde. Oui. J'ai une question à vous poser, les mecs. Vous savez que... Il va y avoir la Paris Games Week. Qui vient avec moi? Non, moi j'y suis dû aller, moi. Je sais que c'est toi qui m'accompagne dans les galères à chaque fois. Non, casse-toi. Rémi. Nadim, dégage. Du mercredi 2 novembre au 6 novembre. Les frérots, du coup, pour la PGW, je vais aller avec soit Rémi, soit Nadim. Nadim. Je vais vous mettre les dates sur Instagram. Ça va être en story. Dès que cette vidéo va sortir, ça va être en story sur Instagram. Votez pour quelle date on vient. Choisissez un jour, je pense qu'on va faire qu'une seule journée. Un jour entre le 2 et le 6 novembre, c'est ça? Choisissez une date et puis on ira à ce moment-là. Rémi, tu vas mettre tes chaussures. Oui. Moi, c'est bon, je suis prêt. Ça va? Oui, ça va. Salut, les nazes. La salsa! Ça arrache la main, ça fait pas mal à la main là? Non? Aïe, 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 aïe. T'as fait une technique, les gars, avec le ballon. Je te regarde. Mais t'es bête ou quoi? Si, je vais tomber. Mais on est en attaché, espèce de gogole. T'as failli m'arracher la main là. Regarde la trace de faux malade. Bah ouais. Bon, Rémi, nous on est des vrais hommes. Pas besoin d'un trampoline. Donc on commence par un petit footing tranquillement. Tac, 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 tac. Et ensuite on va faire des petites tractions. Okay. Ça te va? Non, ça te va pas, mais t'as pas le choix. Faut qu'on soit coordonnés, mec. Ça fait mal. Non, non, regarde, regarde. Voilà, voilà, comme ça. Les gars, c'est beau. On a notre rythme. Regardez ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Aucune douleur. Ça, aucune douleur. Rémi est super chaud. Bon, les frérots, en vrai, quand t'arrives à bien te coordonner, ça va. Après 5 minutes de course, Rémi a trop mal au genou. Rémi, tu fais combien de tractions environ, toi? Là, je pense 6-7 max. 6-7 tractions d'affilée? Ouais. Mais t'es un malade, frère. Je suis un fou, moi. Mais t'es un malade, t'en fais même pas une. Si t'arrives à en enchaîner 4 d'affilée, bien, t'achètes une paire. Je suis jusqu'à monter de
Je viens de trouver une cabane, wesh. Wesh. Tais-moi la cabane, frérot. Attends, imagine, il y a quelqu'un. Bah, incroyable la cabane. Mais tu sais que je la montre à Nadim, il devient fou. Tais-moi, il y a une petite table et tout. Oh, les gars, je suis choqué, la petite cabane, elle est incroyable. Ils ont mis des sapins en mode petit coussin et tout. 6-7 max. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19. Voilà. Rémi le monstre. Ok les mecs, on était sur le trampoline avec lui. On a un gros problème. La batterie de la caméra, il n'y en avait plus. Ouais. Et on a rapproché les trucs, du coup, c'est bien bien serré. Donc là, bah, on vient de remettre la batterie. J'ai une idée. On a deux claquettes. On va faire un long C de claquettes. Mais moi, j'ai un truc à te dire, moi. De quoi? À 14h, j'ai une réunion où on va parler pour les devoirs. Et toi, tu vas être à côté de moi. Tu vas devoir rester avec moi au micro et on va devoir parler du marketing. Mais genre, il va y être plein de gars et on va parler. Ouais, il y a même le président des États-Unis qui sera là. Emmanuel Macron. Voilà. Vas-y, viens, on fait le jeu avec la claquette. Non, c'est nul. Imagine juste comme ça, on est là. Là, t'as un gars, il arrive comme ça. Il voit deux gars assis dans une cabane avec une menotte. C'est bizarre. Tu te dis quoi? Il se dit quoi, tu penses, le mec? Moi, je cours. Tu vois deux mecs avec une menotte et dans une cabane, tu cours? Moi, je cours. C'est l'heure de manger, là. Ok, il est 13h. On va faire un truc. L'équipe qui va perdre, elle devra manger de la main qui est menottée. On vous propose un truc. Faire un 2 contre 2 au basket. Ça dit. En plus, les gagnants, ils pourront enlever leur menotte pour manger. J'ai pas le droit de bâcher, pas de dunker. Zizou, mais vas-y, t'es en tongue, frère. Oh, Rémi. Pour moi ça fait pas mal. Non, t'es pas contre, il est... Nadine, il a marché. Allez, rentre. Il y a 4-2. On est à 3 points nous. 4. Balle de match. Et c'est ciao. Regarde comment il simule. C'est la victoire de Rémi et moi. Du coup, on va manger là? Ou tu vas à ton rendez-vous avant? Ouais, rendez-vous. Nadim, tu pourras pas m'encore manger. T'es au rendez-vous avec Zizou. Bon, Nadim. Allez, viens, on va parler au président de la République. Nadim, Zizou, bon rendez-vous. Rémi, vu qu'on a gagné, on va pouvoir enlever les menottes pour manger. Toi, tu vas pouvoir changer de pull. Fallait la gagner celle-là. Donc, là, ça va être l'heure de la réunion. On est devant le PC. Je vais lui mettre un casque, comme ça, il va écouter de quoi on parle. Et voilà. Parler de quoi? De marketing, je t'ai déjà dit. C'est quoi le marketing? Et si vous me voyez changer d'habit ou de main, genre là, c'est pas la même main qu'avant. C'est normal, vous nous avez vu faire du sport, etc. Ça nous fait mal. On a changé de main. Mais je pourrais parler? Bah ouais. Ah! Ça te fait mal? Non, j'ai resserré. Ah ouais, d'accord, on a choisi que pour des trottinettes, on est d'accord. Ouais, ouais. Enfin... Ouais, logique. J'aime bien celle de la deuxième de Quentin. Moi, je suis. C'est moi, ouais. La réserve de. D'une shop, quoi. Est-ce qu'elle dirait pas que c'est trop connu ou c'est trop vu? Parce que je pense qu'il y a... T'en penses quoi, toi? C'est bien. Question, si on avait choisi qu'un seul des deux. Ouais. Tu peux mélanger les deux, ça fait toujours... Parce que moi, à côté, avec l'autre à côté, là, c'est galère de... Ouais, de... c'est vrai, avec les trucs. C'est juste bon gueule, là. Disons. Quoi? Faire. J'étais coincé. T'es au courant qu'il va pisser partout, là? Il va reprendre le chiotte. Et après, il va me toucher, quand même. Les mecs, moi j'ai mangé avec Rémi, on est carré, c'est bon. Je me suis changé là. Rémi il a pu changer vu qu'on a pu se détacher, on a gagné le défi. Zizou et Nadim, je crois, ils étaient en appel. Zizou il va aller manger, il a pas encore mangé. Nadim, je crois, il a mangé un bout de pain. Qu'est-ce qu'il y a toi avec ta main sur la hanche? Venez, on fait un truc, nous quatre, on fait un truc comme entre frères, deux secondes, beaucoup, un peu de temps. Mais un fois. Nadim, tu peux faire des phrases normales s'il te plaît? Vas-y. Des phrases normales? Des phrases normales. Je veux. Des phrases normales, Zizou. Normal, Zizou et moi on va être au goal, dans les cages. Ouais. Et vous allez tirer et le père a un gage hyper. Mais de se t'attraper le mollet. Les frérots, je sais pas si vous en souvenez, la vidéo Stumble Guys, c'était celui qui perdait. Le commentaire le plus liké, ça a été un déguisement pas de patrouille. On va partir à un parc d'attractions, les frérots, et va devoir le porter. On vient de le recevoir, donc tu vas le tester là. Du coup, nous, l'équipe qui va perdre. Ok. Il y aura un tirage au sort entre les deux. Et celui qui perdra, il aura un autre pas de patrouille. Et Rémi, je crois que c'était le déguisement de Ruben. Et ouais. Moi, j'ai déjà le capitaine. Comment il s'appelle le capitaine de la pas de patrouille? Le bleu. James. Mais pas du tout, c'est pas James. James. Et frérot, il y a eu un petit changement. Les gars, Zizou doit faire sa prière. Donc en attendant, on récupère une recrue. Donc là, actuellement, on est trois. Le temps que Zizou revienne pour qu'on aille faire le défi foot, c'est bon? Rémi, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Fais voir, fais voir. C'est... Ah ben... Ah
c'est Ruben de la Trix. De la Trix. Rémi, tu pourrais essayer s'il te plaît? Oui, il y a même un masque. Rémi, tu vas être comme ça au parc d'attractions, en gros. Oh, la dinguerie. Oh. On dirait le cachir en bas. Oui, t'es mort, y'a aucune diff. Les autres, mais tu sais qu'ils vont rire, frère, on va te voir comme ça devant tout le monde. Le perdant du foot, il aura celui-là. Et avec la casquette, bien sûr. Avec la casquette, bien sûr. Zizou, Nadim, vous avez 3 frappes, on a 3 frappes. Celui qui fait le plus d'arrêts, bah gagne tout simplement, c'est tout, c'est bon. Il y en a un qui va tirer 2 fois et un une seule fois. Ah. Ok, t'es loup, pas, t'es loup. What? T'as un chien, pas. Pourquoi il lève la jambe comme ça? Let's go. Oh ah, tu tires en l'air, hein. Ouais. C'est pas toi, hein. Hein. Allez, allez. Oh. Je vais la ressortir. Pour les départager, les frérots, on a un bout de bois. Ok, on va le mettre dans une main. Celui qui le trouve, il a gagné, tout simplement. C'est bon. Allez. 1, 2, 3. Arrête. Moi, c'est... Attention, 3, 2, 1. J'ai gagné. Elle était là. On arrive à la fin, les frérots, de cette journée menottée. C'était bien laborieux, c'était bien galère. Je pensais pas que ça allait être si compliqué. Journée menotte terminée. Zizou, on a trouvé une idée pour les prochains épisodes de menottes. Là, on a 200 000 abonnés. À 300 000 abonnés, on fera les 4 menottés. À 400 000, on invite un abonné qu'on menotte avec nous. Et attends, et à 500 000, on en ramène encore un. Wow, etc. Ça, etc. Ça, c'est un truc de fou, ça. Dinguerie ou quoi? Bah, les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette petite journée menottée. À très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Le petit like qui fait plaisir. Et à très vite pour de nouvelles aventures, les mecs. Tu fais quoi avec un saucisson dans la main?